Eh bien, salut à tous, c'est Barof et bienvenue pour un nouvel épisode de Island Saver. On commence sans attendre. Sélection du niveau toujours sur l'île sableuse. On poursuit aujourd'hui, on va découvrir une nouvelle zone. Et voilà, donc nous étions sur la voie du point d'eau dans le précédent épisode. Et on avait récupéré une épée pour ouvrir la porte et découvrir... Ah, le cadenas nous parle, d'accord, ok, merci cadenas. Donc la plage des crocos, d'accord, donc on va supposer qu'on va découvrir des crocodiles, évidemment. On va s'occuper tout de suite du récupérateur de bouteilles. Hop là, qu'est-ce que je fais moi? Ah, j'ai l'impression que je fais une bêtise. j'ai envoyé les bouteilles, je ne sais où. Vous croyez qu'elles sont parties dans l'eau? J'ai pas fait attention. On verra bien. Hein. Tant pis. Hein. Ah bah tiens, au fait, puisque c'est ouvert... Ah non, tiens, on a une ici. On va, hop, tout de suite se débarrasser de ça. Voilà. Tac. Hop, on va nettoyer tout de suite ça. Qu'est-ce que je fais? Ah, j'ai du mal à m'y remettre. Ça fait quelques jours que j'ai pas touché la manette. Et donc là, de nouvelles plantes. Ah, de lilas carnivores, d'accord. Ok, allez, on va commander ça. Allons voir la boutique de Pigby. Hop là, et donc il nous demande de prendre ça. Voilà. Voilà notre livraison. Merci. Et on a fièvre acheteuse, nouveau trophée, parce qu'on a dépensé 100 doublons chez notre ami Pigby. Donc tu as attrapé la fièvre acheteuse, on dirait tu as dépensé 100 pièces à la boutique de Pigby. Garde un œil sur tes dépenses pour équilibrer ton budget et contrôler ton argent. Oui, non, mais j'ai pas l'intention de dépenser à tort et à travers. Alors, on va déjà commencer par ça. Oula, on ne marche pas sur la terre, on est en train de planter quelque chose. Tac. Voilà. Est-ce que je peux récupérer de l'eau ici? Ouais, je vais faire le plein. Merci. Ah, pas encore assez. Voilà. Sinon, ah, une petite zone là-bas. Ah bah non, on en vient de cette zone-là. Oui. Par contre, dès qu'on aura le singe, on pourra y aller. D'accord. Oh, serait-ce les bouteilles que j'ai jetées tout à l'heure, ça. Alors, on poursuit. Tiens, on va faire un peu le ménage par ici. Donc, il faut s'attendre, évidemment... Ah, des attaques, hein, on peut le voir sur la droite, deux ennemis en premier et ensuite trois pollueurs. Oh, il y a un nouveau truc là-bas, on va aller voir ça. Allez, je me débarrasse de... Non, pas des pièces. Des bouteilles, voilà. Hé, hey, toi, encore une fois. Ah zut, je crois qu'on peut le l'embêter un peu. Tiens, alors on va nettoyer un petit peu, on en profite hein, pour nettoyer pendant qu'on va... voir cette nouvelle zone là-bas. Qu'est-ce qu'il y a? Cette machine te permet de construire un nouveau pont avec tes impôts. D'accord. Toutefois, la machine ne fonctionnera pas tant que tu n'auras pas sauvé tous les manques animaux de cette zone. D'accord. Ah, voilà. Donc, on nous en parlait dans l'épisode précédent. On demandait si on l'avait déjà fait. Déjà, ce qu'on peut faire, c'est la nettoyer. Pour commencer. Ah, mais non! Je fais encore la même bêtise, décidément, hein. Décidément. Et on dirait que tu as perdu ça. Je suis venu te le rendre. Qu'est-ce que j'ai perdu? Ah, ce serait bien ça. Il doit me rendre mes bouteilles. Merci. Désolé, hein, je ne voulais pas les jeter dans la mer. Évidemment. Ah, un pollueur. Ah ben voilà. Ok, bon. Ah, il y en a un deuxième. Il y en a un deuxième. Il est où? Il est par là. Trouvons-le. Voilà, on lui a pas laissé le temps d'être méchant. Toi, tu fais... On va parler à l'alimentation électrique. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis une alimentation électrique. Je fonctionne au bonheur. Et j'alimente tout ce qui se trouve dans une zone si elle est suffisamment heureuse. D'accord. Donc, tant qu'on n'a pas fini, effectivement, on ne pourra pas déclencher l'électricité. Est-ce qu'on pourrait passer là? Non, je ne pense pas. Ok. Bah, tiens, hop là. On va s'occuper de ça. Puisqu'on est là. Et on nous demande quoi? Lila carnivore, d'accord. Enfin, c'est un petit peu inquiétant cette plante là. Lila carnivore, ça. Bon, en tout cas, ça donne pas envie d'y mettre les doigts. Hein. Hop là, voilà. Et on arrose.
Et on se demande qui peut avoir envie de profiter des fruits du lézard carnivore. Et ici, quelle plante? La phacobaie. Oh, phacobaie, ça fait penser à phacochère. Est-ce que ce serait un des nouveaux animaux que l'on va découvrir sur cette zone? Merci. Ok, qu'est-ce que je fais? Voilà, clac. Et un peu d'eau. Parfait. En même temps, on va peut-être recommencer. On va peut-être se débarrasser des bouteilles que l'on a. Non, il est plein. Bon, ok. On n'a plus qu'à aller chercher un jeton. Donc, dans l'autre zone, je vous dis à tout de suite. Eh bien, on va en prendre peut-être 3, je pense, hein, ce sera l'idéal. 3, comme ça, on va débloquer la plupart des... 3 ou 4, on va en prendre 4, je pense que c'est l'idéal. Allez, 1, 2, 3 et 4, voilà. Parfait. On va débloquer celui-là, comme ça. 1, comme ça, celui-là, il se débloque. Et on retourne sur les autres. Celui-là. Non, il n'est pas fini celui-là. Ah, on a eu un petit peu de bénéfice. J'ai entendu le ding-ding. Ensuite, oui, celui-là, voilà. Et comme ça, on gagnera notre temps aussi en retournant sur la zone quand on en aura besoin. Ah, j'ai oublié d'aller voir comment s'appelait, comment on prononçait le nom de cet animal là. Tiens, hop, puisqu'on en a récupéré un, on lui vend, hein, évidemment. Voilà. Et on va aller s'occuper de notre récupérateur à nous. D'ailleurs, il n'est pas sur cette zone là. Si, peut-être. Hein. Bon, écoutez, c'est pas grave. Là, pardon. J'en ai un deuxième. De toute façon, j'ai comme ça, j'ai un jeton d'avance en cas de besoin. Oh, bah tiens, écoutez, on peut faire ça déjà aussi. Hein. Voilà, bah tiens, puis ça aussi, tac, voilà. Qu'est-ce que je fais? Hop là, oh, on a déclenché l'arrivée de la grenouille, cool. Bienvenue à toi la grenouille. Allez, clac, on se débarrasse de nos bouteilles. Ah non, d'abord, de ce jeton, voilà, comme ça, il va s'occuper de nettoyer. Qu'est-ce qu'on aura récupéré si on l'a su? C'est bon ici, on a bien nettoyé partout. Tiens, voilà, ici. Oh, attendez. Il m'a semblé voilà, qu'on avait oublié ça. Et encore une fois, je fais n'importe quoi. Ok. Et on nous demande des phacobaies, d'accord. Les impôts. Ah, zut. Faudrait que je retente de l'aspirer. Je crois que ça qu'on l'enquiquinait tout à l'heure. Hein. Il m'a semblé que ça fonctionnait. Hop là. Voilà. Allez. On plante. Et on arrose. C'est bon. Par contre, on va aller récupérer de l'eau parce que là, on est vraiment enfin. Ah ben non, on a même plus rien du tout, j'ai l'impression. Voilà. En plus, on va pas tarder à se faire attaquer. Donc, on a intérêt d'avoir ce qu'il faut pour se débarrasser des pollueurs. Voilà. Tac. C'est bon aussi? Ouais, c'est bon. Impeccable. Voilà. Voilà nos ennemis qui arrivent. Voilà, le suivant. Il y en a par là. Et le dernier qui est ici. Parfait. Ouf, c'est bon, on les a eus. Ils n'ont pas eu le temps de nous faire du mal.
c'est nickel ça. Hop là. Et donc, qu'est-ce qui arrive? Eh ben voilà, le facochère, évidemment. Eh ben il a l'air content, pépère. Au niveau... Eh tiens, voilà le crocodile, d'accord. Oh, ben, super. Est-ce qu'on a fini la zone? Non, on a encore quelques petites choses à nettoyer. Faisons le tour un peu pour voir. Ah bah ben, déjà ça... Est-ce que j'ai délivré tous les banques animaux? Non, pas encore, regardez, on n'a pas encore fait ce qu'il fallait. Donc là, non, pour l'instant, impossible. Donc j'ai dû louper quelques petites choses. Ça, ça se récupère pas. Faisons le tour, voyons, voyons. Déjà, on va se débarrasser de ça. Ok, hop là. De plus, on descend par là, on regarde un petit... Ah bah oui, regardez. Forcément, si je passe à côté de tout ça. Là, c'est bon. Oh, ben, il a l'air content, lui. Hein. Il s'éclate. Alors, ensuite. Qu'est-ce que j'ai loupé sur cette zone? Là, rien. Bah, j'ai pas l'impression d'être passé à côté de quelque chose. Hein. Peut-être que vous le voyez, vous dites, mais si, Barof, c'est là. Ouvre tes yeux. Ah, ça, ça me dit. Voilà, elle... Est-ce que je peux le... Tu savais que tu pouvais mettre des chapeaux rigolos sur les banques animaux que tu as sauvés? Tu devrais essayer. Bah oui, on va le faire, mais enfin bon, est-ce que j'arrive à le... Ah, je crois qu'effectivement, vous voyez, on a réussi à le... à l'enquiquiner. Bon, bah là, on va aller à la boutique, hein, et puis on va acheter des accessoires. Bonnet à pompons. Eh ben, qu'est-ce qu'on pourra lui mettre à la grenouille? Un bonnet, une casquette. Ça va dans l'eau, une grenouille. Donc on va lui mettre... Tiens, un chapeau de pirate, comme ça va dans l'eau. Allez, hop. Tac. Ce sera une grenouille pirate. Hop. Je le fais tout de suite, parce que vous savez bien que si on... Si on le fait pas assez rapidement, le perroquet nous casse les pieds jusqu'à ce qu'on décide de le faire, donc. Ah mais non, c'est pas ça. Si tu peux arrêter de bouger. Voilà. Ah oui. Donc coup de chapeau, mais un chapeau sur un banc animaux. Donc peut-être qu'on va devoir déclencher d'autres badges en en mettant plusieurs. On verra. Pour l'instant. Ah. Banque animaux plein, tu es où? Tu es là. On peut bien l'embêter un peu à ce voleur là. Hein. Ensuite, il nous manque des choses à nettoyer. Ah. Ah ou alors c'est peut-être là-bas. Hein. On n'est peut-être pas encore. Oh non, j'ai pourtant l'impression que c'est une nouvelle zone, mais bon. On va voir. On va voir. On va d'abord attendre. Oui, mais non, parce que je vois pas ce qu'on pourrait faire d'autre ici. Je crois pas qu'on ait. On est zappé quelque chose. Ils sont où les crocodiles? Ils sont là. Il y en a un ici. Merci. Et c'est tout. Ouais. Ah, le facochère. Oula, où est-ce que ça me les ont? Ah, les voilà, les fameuses bouteilles. D'accord. Oh, je suis plein. Je suis plein de chez plein, donc vite, on va aller. Hop là. Non, c'est à la banque qu'il faut qu'on aille, pas... Elle est où la banque déjà? Elle est à l'extérieur de la zone, je crois. Hein. Voilà, là-bas. Allez. Tac. Voilà, on a combien? 4... Oh là, oui, c'est pourquoi. 414 ici. Oh, dis donc. Ah ben oui. Je crois que c'est moi qui ai fait cette bêtise en plus, l'autre. On va nettoyer ça, allez, hop là. Parce que l'autre, il a pas l'air de faire son travail non plus, hein. Il est censé... lui, il est censé prendre la relève, l'autre, là-bas, mais il fait rien du tout, en fait. Hein. Je vais vérifier qu'il n'y a pas d'autres salissures ici. Mais je pense que non. Ça a l'air d'être bon. Ok, allez, on retourne dans la zone du facochère. Tac. Et on va pouvoir finir de nettoyer correctement. Oh, viens là, toi.
Très bien. Donc c'était par ici, hein. Voilà. Et on avait tous ces petits sous à récupérer aussi. Voilà. Et une bouteille qui traîne là. Et voilà, c'est bon. On a nettoyé complètement la zone. Allez, on va pouvoir jeter les bouteilles qui restent dans le conteneur. Voilà. On va attendre que le banc animaux se... Ah bah c'est bon, je crois. Il nous en manque combien? Bah un seul. Le facochère, où est-ce qu'il est? Oh, regardez. Plus qu'un, et c'est bon. Allez. Il est où, Pépère? Ah bah il est là. Ah bah oui, il est plein, il peut plus bouger. Zone terminée. Cool. Après, on va voir combien... Ah, je peux pas... Ok, je suis prêt à construire maintenant. Les impôts que tu as gagnés peuvent être utilisés pour acheter de grandes améliorations pour l'île, pour comme construire un pont. Un pont en crocodile, moi j'ai dit bof bof. Hein. Regarde, les crocodiles t'ont fait un petit raccourci vers la baie des impôts, ça va te faire gagner du temps. D'accord. Cours, puis saute sur les crocodiles pour atteindre la machine à impôts et récupérer des jetons d'impôts pour construire le pont. D'accord. Ah oui, mais... Qu'est-ce qui m'est arrivé là? Ah non, rien. Ouais. Alors, par contre, les sous, qu'est-ce qu'on en fait? On va les laisser là pour l'instant. Est-ce qu'on a une banque là-bas? Oui, je crois que oui. Voilà. Allez. Ben oui, je crois qu'on connaît un peu cette zone des anneaux. Oui, il me semble aussi. Hein. Allez. Voilà. On se débarrasse des graines et on va les chercher. Non, c'est bon là. On va aller chercher. Alors oui, mais j'ai déjà un jeton moi. Je vais aller voir combien il en faut du coup. Ah bah dis pas qu'on va galérer pour remonter après. Bah, j'espère que non. Hein. Non, c'est bon. Ah bah le jeton je l'ai déjà. C'est ça? C'est pas assez? Il en faut combien? Ah, 29! Ah bah oui, d'accord. Ah oui, effectivement, c'est pas tout à fait pareil. Hein. Ok, allez, c'est parti. On va récupérer nos 29 jetons. D'accord. Je crois que j'en ai pris beaucoup trop. 20, bah oui. Voilà, 29. Ok. Donc normalement, là, on est... Tire des jetons d'impôt dans le constructeur fiscal pour construire un nouveau pont. Alors on va faire attention parce qu'évidemment, eux, ils vont attendre, voilà, que l'on saute sur leur dos pour retourner dans l'eau. Voilà. Allez, on lui donne ce qu'il a besoin, lui. Voilà. Trophée pont d'or. Pont d'or utilise les impôts pour construire un pont. Nouveau badge. Donc fantastique. Construire des ponts permet d'accéder à de nouvelles zones. C'est un bel exemple de l'utilisation des impôts. Ok. Donc, bah, écoutez, ici, c'est fini. Formidable. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre à faire ici? Ben non, rien. Eh bien, on va s'approcher de la nouvelle zone. Oh, vous avez vu, on dirait un gorille. Hein, on s'attend peut-être à découvrir l'animal qui nous manque pour l'animal légendaire, en gros. Hein, pour, et oui, c'est ça. L'ère des primates, tout à fait. Donc, on dit qu'il faudra nettoyer la zone, faire pousser des plantes et sauver les banques animaux. Ok, bon, bah écoutez, avant de se quitter, évidemment, on va aller voir un petit peu les animaux que l'on a découverts aujourd'hui. Alors, nous avons aujourd'hui découvert les grenouilles, voilà. Et donc, les grenouilles se servent de leurs yeux pour mieux avaler. Leur globe oculaire se rétracte pour pousser la nourriture dans leur gorge. Ah ouais. Ok. Et puis, qui est-ce qu'on a d'autre? On a fait aujourd'hui, on a vu
L'hippopotame. Non, l'hippopotame, c'est la dernière fois, je suis bête. Le crocodile, pardon. Voilà. Le crocodile et bien évidemment le phacochère. Tiens, allez, le phacochère. Les phacochères passent la nuit dans des terriers abandonnés par d'autres animaux. Ok. Et puis le crocodile. Les crocodiles ouvrent souvent la gueule pour se rafraîchir car ils transpirent par la bouche. Bleh. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère en tout cas que cet épisode vous a plu. En attendant de vous retrouver, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Salut, bye bye.